court, donjon, clôleur, on s'est fait massacrer avec notre petit lapin, on est toujours en live, on va essayer de choisir un nouveau lapin plus fort, parce que celui-là il s'est fait écraser. On pourrait prendre Félina. Qui commence avec un chat domestique, avec Crémeux le chat. C'est parti. Alors le deck. Un peu pourri moisi. Elle a vraiment pas beaucoup d'attaques non plus dès le début. Principe de ce personnage, c'est de booster sa force pour que Crémeux fasse des dégâts. Et là, en fait, le seul objet qu'on a qui fait des dégâts, enfin qui augmente notre force, c'est l'anneau de force. Oh oh! Puisqu'en fait, c'est pas marqué que sur Crémeux comment il fonctionne. Crémeux, il se base sur notre force, en fait, tout simplement. Les attaques de Crémeux. Pas marqué sur son atout, Félina. Tu veux manger du lapin, Casardo? Bah non, non, pas mes petits lapins. On leur a piqué leurs pattes, déjà. Pauvre petit lapin. Il n'y a rien qui me tente. Je vais relancer une batterie, un thermomètre. Ouais, je vais prendre le bouclier à pointe, mais sans grande conviction. D'ailleurs, je me dis qu'on peut peut-être voir ce que Crémeux fait comme ça. Voilà, Crémeux, il synchronise sa force avec la nôtre. Il attaque l'ennemi le plus proche chaque fois qu'on est attaqué. Il ne peut pas être ciblé par les ennemis. C'est pour ça qu'il a qu'un seul petit PV, ce petit chat. Qui est le meilleur ami du lapin. Un petit civet de lapin avec des pommes de terre vapeur. Hein ? N'oublions pas d'attaquer, n'oublions pas de nous défendre. Parce que là, j'ai clairement pas assez de boucliers pour tout encaisser. La Crémeux, il va me le finir. Voilà, Crémeux. Super Crémeux! Ah, on peut avoir la boîte à chat de Félina pour avoir un deuxième Crémeux pendant 3 tours. Ou une armure lourde qui nous permet de gagner 5 d'armure au début de chaque tour. Eh ben, on va partir complètement sur le Crémeux, donc on va prendre un Crémeux. On aime les Crémeux. Alors, s'ils pouvaient nous donner un petit tour pour booster notre Crémeux, ça serait bien. On augmente notre vie, ou on rajoute de la thune, bah oui, Cupide. Soyons cupides. Je ne pense pas pouvoir réussir à attraper les gros coffres. Oh, si. Oh, si, un gros coffre jaune. Ça, c'est une bouteille d'eau. Oui, allez, prenons
la bouteille d'eau, on a vu que tout à l'heure, le miel, il nous faisait quand même des choses compliquées. Et une grenade, on prend le tout. Et on prend un petit peu de soin et un petit peu de thune. Ou plutôt un petit peu de soin et... Elle a même pas son chat pour jouer avec les pelotes de laine, quoi. Hop, alors, il va se booster. En nous également, je vais prendre ça pour avoir de l'épine. Et je vais prendre ça pour essayer d'attaquer un peu. J'aimerais avoir la bague, mais le jeu rajoute des trucs par-dessus. Donc on va déjà prendre un petit peu de poison, un petit peu d'armure pour compenser ça, et un petit peu d'armure pour compenser ce qu'il va nous faire. Vais-je réussir à attraper cette bague ? Voilà, on booste notre crémeux. C'est important de booster crémeux. Mais il n'a pas attaqué. Non, crémeux, il attaque uniquement quand on nous attaque. Donc là, tu vas voir, il va attaquer. Mais du coup, j'ai boosté mon crémeux. Il faudrait que je reprenne un peu de bouclier. Booster mon crémeux. Regarde, il va nous attaquer. Le crémeux, il a fait... Comme ça. Oh, c'était nul, ça. Il a quand même un petit peu passé notre vie, hein, donc on... Alors, on a un deuxième crémeux. Allez, c'est le dernier tour de notre crémeux fantôme. Un fantôme temporaire, ce qui n'est pas vraiment fantôme. Ah, je voulais la bague, pas la petite peluche. Donc, limite avec Félina, on peut se permettre de juste se mettre de l'armure, de l'épine et de booster notre crémeux. Forcément, hein, c'est pas hyper passionnant comme combat. Mais si on arrive à avoir des objets qui vont bien booster notre crémeux, ça va être assez top. Voilà, donc là il va prendre les 35 d'épines, les 15 de crémeux, et pouf! Alors, à chaque fois qu'on esquive une attaque, j'ai rien pour esquiver pour l'instant. Avoir de l'eau dans l'intérieur de ma machine, pour l'instant c'est pas forcément le trip, donc je prends les crocs de vampire. J'ai pas énormément d'argent, donc je vais aller me faire un petit coffre avec un combat! Et merci beaucoup, Casardo. Alors, on a le petit crocodile. Alors, le petit racaillement qui va nous attaquer à 18. Le plantépic.
Tiens. Une petite grenade. À 18. Il faudrait un gros bouclier quand même. Ok, donc lui s'est mis de l'épine. Et il nous faudrait un petit peu plus d'armure. Alors celui-là. On va le finir. Est-ce que je pourrais pas attraper une petite épée quelque part? Elles sont un peu planquées quand même, les épées. Ouais, elles sont un peu trop planquées, mes épées. Pas grave, on leur rajoute du poison. Ils arrivent quand même à me faire quelques dégâts, hein. C'est pas ouf. Parce qu'ils m'ont foutu du poison et que j'ai pas d'antidote. Hein. C'est principalement ça le souci. Malheureusement, les épées sont quand même au fond de la machine et j'arrive pas à les choper. Alors, bah un antidote, c'est pas mal. Alors, le miroir à main, c'est top aussi. Mais je pense que je vais prendre l'antidote parce que là, ça va nous être utile. Allez, Atomatique, donne-nous quelque chose pour booster notre crémeux. Notre crémeux est tout mignon. Ouais, augmente les dégâts infligés par les familiers de 20% de l'herbe à chat. Nous, on aime l'herbe à chat. Et j'ai toujours aucun soin, hein. C'est toujours pas ouf. Donc, on va se prendre 27 de dégâts dans la tronche. Autant dire que on va choper des boucliers. Hein. Le bouclier n'était pas forcément nécessaire. J'aurais bien voulu attraper le poison, ce qui n'est pas le cas. Tant pis. Là, par contre, on a besoin de bouclier. Je ne pourrais jamais faire 20 de dégâts avec ce que j'ai. Aïe. Petite épée. Ça va pas être assez une épée, mais... Si. Un bâton de chance. Poisson énergétique ou un anneau de force. On va prendre l'anneau de force, mais j'aimerais bien du soin, en fait, je commence à avoir un petit peu de sous. Je peux peut-être randomiser la prochaine fois un biscuit chinois. Oui, bon, on prend. Mais j'aimerais toujours du soin en vrai. Trace de bouclier, c'est clairement pas assez. Pas eu la petite épée, c'est dommage.
super chaud. Est-ce que je peux avoir une petite épée? Oui, je peux avoir une petite épée. Assez. Faudrait un peu plus de boucliers. Voilà, on finit celui-là. Il nous reste 25 PV à celui-là. Il va pas nous attaquer. Je peux essayer de booster mon crémeux. Donne-moi une petite épée. Hop. Un giga bouclier. Bah oui, je prends le giga bouclier. Enfin, t'es au courant, jeu, que je t'ai dit que j'aimerais bien une potion de soin. On va relancer. On va relancer. On va relancer. Oh. Oh, sérieux, je peux pas avoir une potion de soin. Et comme il a fait le malin, eh ben, je donne la manette aussi. Je voulais une potion de soin, donc j'ai un peu claqué la thune. Ce qui fait que le signe n'a que 3 tentatives. Voilà, ça n'a pas marché non plus. Mais moi, je l'ai pas mise dehors. Alors que le truc, il y va pas. Donc, heureusement, on est cupide. Alors, on va avoir plein de soins et on va avoir plein de cochons. À nous, les cochons! Bah ouais, t'aurais dû le faire avant, j'aurais eu plein de tentatives. J'aurais peut-être eu une potion de soin aussi. Et donc, on affronte le petit mini-boss qui va se booster. Alors en vrai, j'aimerais bien le foutre du poison. Mais mon poison est en dessous, là, de cet énorme bouclier. Moi, j'ai pas d'armure persistante. Il va m'attaquer à 19. Oh non, sérieusement, la bague. Reviens, la bague. Il s'est foutu plein d'armure. Il faudra encore un peu d'armure, là. Mais elle fait exprès, cette bague! Et pendant ce temps-là, il se booste, hein. Espèce de malin. Peut-être choper le pavois. Le pavois tout seul, ça me suffisait, mais
Ben là, ça va peut-être pas me suffire, le pavot tout seul. Ah, mais il y a toujours des trucs... Rajouter un peu d'épines, rajouter un peu de poison. Non, pas de poison. Rajoute de la force à crémeux. Allez, crémeux. Oh my god! Ça fait quoi la caisse à chat? Ça rajoute un crémeux. J'ai pas réussi à l'attraper. Pourquoi tu le fais pas direct? Ouais, ça doit être hyper efficace. Il a la même force que l'autre? Oui, mais il dure que 3 tours. Ah, d'accord. Encore que je réussisse à l'attraper. Le pavois, la limite. Aïe! Est-ce que je prends, on peut prendre du petit boost ici? Bien aimé prendre la grenade empoisonnée. Mais les crémeux, ils font le taf, hein. Ah bah oui. C'est pour ça qu'on sortira un deuxième, ça doute direct tes dégâts, quoi. Oh, arnaque! Ça glisse! Ça glisse! Arnaque! Heureusement que j'ai des crémeux, hein. Ah bah, ça, c'est toujours bien. Mais du coup, on va aller chez le forgeron. Tu veux garder cet objet-là? Oui, je veux garder cet objet-là. C'est très bien, cet objet-là. GG. Bah oui, on prend. Bien sûr qu'on prend. Et on va au forgeron. Alors, on a droit à une amélioration gratuite. Oh, c'est ce qui te fait des dégâts. Ouais, j'ai déjà. Ah oui, t'as plus de thune. La thune ! C'est pas moi qui l'ai dépensé. Il m'a volé ma thune. C'est avec une grande bouche. Un âme taré. Alors, ils vont pas attaquer, donc on va essayer de choper la petite grenade. Bah, tout n'arrive pas dans la machine. Ah, d'accord, ok. Tu vois, là, c'est ce que t'as dans ta machine. C'est vrai que t'avais tout ton deck à chaque fois. Non, et notre deck, il est à côté. Je vois que c'est pas pareil. Okidoki. Mais je vais mettre de l'eau, tiens, dans ma machine. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut un peu de défense. Ou pas. Ah, il veut pas venir l'autre crémeux. Il est non plus. Pas grave. On va quand même un peu cramer un peu d'huile, hein. Mais... Petit bouclier. Ah, en plus, là, ils se sont mis un buff.
se sont mis un bouclier sacré qui va être un petit peu chiant. Nous, on va quand même essayer de se protéger. Il va nous faire 16. Alors notre petite bague pour notre crémeux. Il reste le dernier. Je rajoute un peu d'épines. En fait, un peu parce que les épées sont toutes de ce côté-là. On a vraiment très peu d'épées par rapport à... au DPS global. Ah bah oui, c'est crémeux qui est censé faire les dégâts, je pense. Ah bah oui, c'est crémeux qui est censé faire des dégâts. Mais l'épine, elle est rentable. Oh non, la petite bague! Je voulais la petite bague! Ah ah, crémeux! Bon, on va prendre l'amulette pour notre crémeux. Il va être content, notre crémeux. Alors, ils vont se booster. Ok. On prend la petite amulette pour notre crémeux. Bague! Les bagues est cool. Du coup, ça c'était un peu useless. Bon, ils se sont foutus de l'épine. C'est pas marrant. D'ailleurs, les bagues est cool. Parce qu'elles sont... Ah non, elles sont vertes, pourtant. Ouais, elles coulent pas vraiment, elles restent entre deux eaux. Ouais, c'est ça. Du bouclier là. Merci Créma. Non, il faut pas prendre mon deuxième Créma. Vraiment au fond de l'eau, les dagues. Par contre, ça, ça change pas. Ça, c'est du métal, ça coule. Hey, attaque-moi, machin! Mon crémeux, il sert à rien, sinon. J'avais du poison pour la trompette. Non, tu vas m'embêter aussi! J'avais mon poison. J'ai un petit dot. Il est là, mon petit dot. Tout au fond. Tout au fond, mon petit dot. Il dort. Ah, c'est sûr que s'il attaque pas et qu'il fait que te mettre du poison et... Et que j'attaque pas et que je fais que lui soigner. Bah surtout il soigne quoi. Oui. Les épées sont vraiment mal placées. On va réussir à attraper une seule épée quoi. C'était pas très efficace cette tentative de pousser les objets. Allez! On attrape les petites épées qui sont là!
coup du poison. Je vais crever à cause du poison là, à terme. Hein. Ah eh. Mais ce troll, le jeu. Ah, ça, c'est la faille du build, j'avoue. Alors, il y en a une ici. Alors, elles sont où? Elles sont là. Ouais, il y en a à la limite 3. Je peux attraper un peu, mais... Il faut absolument que tu n'attrapes pas d'eau, quoi. Ouais, et pas de poison, ça aurait été bien aussi. Ouais, avec 27 de force, hein, tout de suite. Oui, on va prendre la petite épée. Est-ce que je veux la bouteille de lin? Oui, je veux bien la bouteille de lin. Pas loin. Ma thune! Ah bah, tu m'arrêtes quand tu veux que ça s'arrête. Hein. On va prendre l'huile de lin. En vrai, j'aimerais toujours une potion soin, mais... Alors, il va nous faire 4. Ok, bah on va... C'était notre crémeux. Crémeux, non, crémeux. Oh, je peux même prendre un deuxième crémeux en fait. Je peux pas booster mon crémeux et. Elle m'a donné de l'esquive, le biscuit. C'est pas mal aussi. Mais par contre, l'esquive, je sais pas si ça si ça a marché avec Crémeux, là, il a attaqué. Ah, c'est intéressant à savoir, ça. J'étais pas sûre, tu vois, que... Ben ouais. Le fait d'esquiver l'attaque, ça aurait bien marché avec mon Crémeux, mais... Mais vu qu'il attaque quand ton armure prend, c'est pas les dégâts qui trigger, c'est vraiment que tu sois la cible, quoi. Petit biscuit. Petite bombe, ouais. C'est peu utile dans le contexte, mais... Petit bracelet. Pour mon crémeux. Il est fort mon crémeux, hein. Ah ben, je vais encore prendre un anneau. Parce qu'on n'a pas trop joué avec l'eau en vrai. Tu veux quel mini boss? Ah bah c'est toi qui sais, c'est toi qui choisis. Moi j'ai un chat. Bah couche tu lui allez. Mais je trouve ça marrant qu'ici on ait quand même la pince tentaculaire, mais qu'on n'ait pas le... Parce que normalement notre atout c'est... On n'a pas d'atout pour...
C'était tout à l'heure que tu l'avais eu, non? Bah ouais, j'ai l'impression que c'est bugué du coup. Coucou l'astre! Merci beaucoup pour l'abonnement. Sixième mois, merci à l'astre. C'est marrant ça du coup, c'était peut-être un peu... C'était le coffre que je voulais, mais... Bah oui, c'est ce que je me disais. Non, mais j'ai mal visé. Pas grave. On va prendre des cochons. Cochons. Ah, il y a peut-être juste des salles qu'ont les tentacules. Oui, peut-être que des fois, ils te mettent la tentacule pour changer un peu. Allez! Allons jouer contre Seigneur Squidula! Alors, il va se booster. Oh! Oh, ça c'est bien. Tu vois ce qui brille? Ça va donner de l'armure, mais c'est tout. Ah! Cette chose, elle brille! Elle a été améliorée. Alors, si. Elle a été huilée! Ça va augmenter l'armure de 5 en plus. Et la force surtout, parce que l'armure tu t'en fous. Mais normalement c'était censé... Non, ça va, rien. Ça en fait c'est... je peux pas avoir ma souris. Non, j'imagine que quand t'as la manette t'as pas la souris. Ah ben moi je l'ai sur mon PC. À gauche, c'est ton objet normal, ton bracelet en bois. Et à côté c'est ce que t'as si tu l'améliores. Oui, donc là il est juste huilé, donc ça augmente bien que l'armure. Ouais, donc ça augmente notre armure de 5. C'est pas intéressant. Là, tout de suite, c'est pas intéressant. Oui, crémeux avec moi. Crémeux. Non, c'est pas la même pince que je sais. C'est crémeux. Mais crémeux, en fait, il est pas la cible des attaques. Donc, en fait, il a un PV, mais... Mais il est super fort. Oui, du coup, c'est pas intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est booster notre crémeux. On a une seule bague dans le... Et elle est là. Ouais. On va essayer. Ou se louper, hein, comme une grosse patate. Ouais, on va booster notre crémeux. Voilà, et lui il commence à nous faire des trucs de malade. Alors, il s'est mis attaque empoisonnée et il s'est mis croc de vampire. Et spoiler, bah, il va faire ça un tour sur deux. Donc on va booster notre crémeux. Alors, aussi booster notre défense, hein, parce qu'il va quand même nous faire 5 x 7. Hein. T'as vu mon crémeux? Ah oui, j'ai pris 5 de poison, du coup. 5 de poison, mon poison. Dot est tout en dessous. Ah, mais si tu vas le chercher et que tu sors un deuxième crémeux au passage, il va pas faire long feu, le boss. Bah, on va essayer d'aller le chercher. Magnifique. Mon antidote. Un petit peu d'armure. Que le pavois il allait pas rester quoi. Ah, t'as vu mes coups de griffe de crémeux? Comment qu'il est trop fort mon crémeux? J'ai une petite bague ici, j'ai plein de petites bagues ici. Sauf si j'arrive pas à les attraper. Wow. Ouais.
Je veux présenter Crémeux à Alf. Ouf, petit Crémeux. Voilà, pas besoin de tant de défense que ça. Ça va passer crème. Ça va passer crème. Eh oui, exactement. petit croc de vampire. Est-ce que t'infliges vraiment des dégâts? Ah, est-ce que ça fonctionne avec les dégâts que fait Crémeux? Techniquement, ça devrait pas. Bah, je crois que ça fonctionne avec le poison, donc... Ah, si ça fonctionne avec le poison, oui, par contre, oui. Sinon, Ça se tente, hein. Ouais, on va prendre les crocs de vampire. Est-ce qu'on a de l'argent pour aller au forgeron? On a un gratuit, non? De toute façon. C'était pas ce run. Si, c'est ce run, j'en ai un gratuit. Ouais. Ah, bah, tu vois, si, j'en ai déjà un. Donc, j'ai même pas fait gaffe, en fait. On va qu'on regarde. Alors, qu'est-ce qu'on améliore? Les bagues, les bagues! Collier! On va améliorer le collier! Coûte cher, hein, pour seulement deux. Le truc en bois? Le pavois? Ah non, le collier en bois, là. Le bracelet? Bracelet. Ouais, le bracelet, c'est Overseat. Peut-être, t'en sors pas mal. Poison. Passer de... J'ai plus de thunes! J'ai plus de thunes! Et l'alchimiste... Alors, je vous le montre, parce que je m'en sers jamais, mais j'ai pas la thune. Typiquement, dans le run qu'on a fait tout à l'heure et qu'on a perdu comme des grosses lapins écrasés en face d'une voiture... c'est pas mal parce qu'en fait ça permet de transmuter dans un type d'objet. Donc par exemple, on aurait pu dire bah, nos options de soins ou nos antidotes, bah, c'est du métal et du coup ils sont attirés par nos aimants. Ah oui, ça aurait été très fort pour lui, ouais, effectivement. Ouais, le combat avec le cadeau. Ah, une épée avec sa copine. Ouais, et son copain, il y a une épée, il y a un bouclier, c'est les meilleurs copains du monde. J'aime bien le design des monstres quand même. Tu aimes le slim? Bon, les slim, ils sont assez classiques, mais... Petit boucle épée! Boucle épée, ouais. Il faut peut-être un petit peu d'armure, là, dans l'histoire. Ah non, mon bouclier! Aïe! Ils m'ont fait mal! Des objets pour booster mon crémeux. Système crémeux. Donne-moi un nouveau crémeux. Ouais, le vampire il marche avec le poison, il marche avec l'épine aussi. C'est quand même rentable. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il marche avec crème. Ils vont me faire 20. Un petit bouclier avec de l'épine. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Une petite armure lourde. Il se fait attaquer par un crocodile avec un couteau. Alors il a quand même essayé de nous faire 22 d'armure. C'est pas négligeable. On va prendre ça qu'on vient d'avoir.
22 de dégâts. Hein, parce que pas d'armure, du coup. Il vais prendre... Ah, je voulais les deux. Je voulais un deuxième bouclier. En seul, c'est pas beaucoup. Aïe. Alors, ils vont nous faire 18 de dégâts. On peut booster notre crémeux. Et l'autre andouille nous a agrandi notre bouteille d'eau qui est gigantesque. Alors, il va nous faire 22 de dégâts. Oh non, c'était quoi ce tirage nul, Chocho? T'as rien attrapé du tout. Ah, le petit, la petite bombe qui explose, ça pique. Hein. En vrai, je vais prendre un deuxième crémeux. Ça serait très bien. Et de quoi booster mes crémeux, ça serait très bien aussi. Ma vie, là, elle est un petit peu... Est-ce que je relance pour tenter d'avoir une potion de soin? Bonne séance, c'est ce qu'elle a avec ta force. Ouais. La massue, elle fait quoi déjà? Allez, je relance. Bon, non, c'est pas une potion de soin, mais tant pis. Ça fait quoi? Alors, LB. Cinq pour jouer maintenant. Ah, bah ouais, ça... C'est de l'arnaque. Hein. Il veut pas nous donner de potion. Ah mais ça tombe plus vite ça. Ah ben. D'accord, c'est un métal. As-tu? Encore? Bah oui. On le veut l'objet. Ouais, alors c'est un objet qui est éthéré. Il peut être ramassé qu'une seule fois par combat. Ah. Mais c'est quand même pas mal. Un axolote. Ben, c'est pas un axolote, c'est un axolombie. Ah. Alors, ils vont nous faire un petit peu de dégâts. Je vais prendre le bracelet. Ça veut bien. Parfait. De poison. Non, ils vont pas nous donner le poison. Méchant! Il a rendu nos objets sauteurs. Alors, ils vont nous attaquer. C'est le fail, ça. Je voulais de l'armure et... Et je n'ai rien eu. Bah non, c'est bien, c'est tombé sur le lin. Oui, c'est bien, c'est tombé sur l'huile de lin, mais quand même... Alors, ils vont nous faire 20, c'est beaucoup 20. Je peux booster mon crémeux avec quelque chose d'intelligent, pas trop, hein. Oui, je voulais pas le casque en vrai, mais... Une baguette magique, ça permet de soigner.
Ah, c'est pas ouf, hein, mais... Entre zéro soin et pas de soin du tout, moi je prends la baguette magique. Alors, est-ce qu'on va voir le gros nounou ou est-ce qu'on va voir la myrte? Allez, on va voir la myrte. Et tu vois, c'est un aimant cette fois. Alors, le chat crémeux, le chat. On dirait moi qui appelle notre chat le chat. Il y a un bug avec les trucs qui piquent. Ça fait proquer ton vampire parce que tu t'infliges des dégâts. Ouais, c'est assez ouf. Du coup, crémeux, comment il fonctionne? Alors, crémeux, en fait, il attaque quand on m'attaque. C'est-à-dire qu'il attaque pas en même temps que moi. Bien évidemment. Potion de soin, mais c'est pas si mal. Alors, on va le voir là. Crémeux. Il a... Donc, il commence toujours avec 1 de force, parce qu'on commence toujours avec 1 de force. Il synchronise sa force avec la nôtre. Donc, plus on booste notre force, plus il est fort. Il attaque l'ennemi le plus proche à chaque fois qu'on est attaqué. Donc, c'est pas vraiment une contre-attaque. C'est... La contre-attaque, il contre-attaquerait la personne qui nous attaque. Et par contre, du coup, bah, il peut pas être ciblé par les ennemis. Et du coup, moi, j'ai loupé. Je voulais aller voir la myrte. C'est pas du tout une... Bah, c'est un morse-mythe. C'était ça. C'est un blubarien. Wals, le blubarien. La traduction FR est rigolote. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Il va se booster. Il va se booster. Bah, boostons-nous aussi. Non, mais je voulais pas ça. Je voulais le biscuit, pas le... Pas grave. Ça fait un objet de moins dans la machine. Alors pourquoi j'ai du poison? Il m'a foutu du poison. Il m'a foutu du poison, mec. C'est comme ça. C'est méchant. Je mets de l'eau dans ma machine pour la peine. Ah oui, j'avais un objet qui l'a attaqué. Je pensais pas avoir attrapé un objet qui attaquait. Je vais peut-être essayer d'attraper la boyette avec une petite boigue. Ah bah non. Du bouclier. Aïe! C'est pas gentil! La baguette. Et on a eu une bague. Et ça m'a l'air d'être l'enisé. Aïe! Il booste sa force également, hein. Il commence à faire très mal. Hein. Quand même 16 de force le petit malin, alors qu'on a que 13 avec notre crémeux. C'était un bouclier qui m'a donné de l'eau. Forcément besoin de la baguette. Je voudrais le trombone. Et je voudrais le chat. On va douiller, hein, je me suis pas protégée. J'ai 80. Il faut qu'on se protège. De choper le pavois. Fail. Ouch.
147. C'est large. J'y crois pas vraiment, là. Ah, c'est sûr que là, le casque, il aurait fait plaisir. Est-ce que j'essaye d'attraper le biscuit chinois en espérant qu'il me donne un truc bien? Est-ce que t'as comme autre possibilité? Me mettre 10 d'armure. Ah, le décès. Le décès! Le décès de Félina! Et de Crémeux! Ah, d'ailleurs, ça aussi c'est bugué! Il me dit 1h37 passé dans le donjon. Sauf qu'en fait, c'est 1h37 de live. Et j'ai fait 3 parties. C'est le temps depuis que t'as lancé le jeu, ouais. Mais bon, comme je le disais, le jeu est encore en early access, hein, il a encore le temps d'être peaufiné, d'être quality of life-isé. Moi, je le trouve très bon. On va s'arrêter là pour cette partie, puisqu'on a perdu avec notre chère Félina. On dit bye bye à la VOD. Salut la VOD. Et je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Merci à tous. Thank you.